Buona? Siamo in località Gaillarda, uno dei nostri vigneti. Nous sommes dans la localité Gaillarda, dans l'un des vignobles de notre entreprise agricole qui s'appelle Le Masque. C'est moi qui ai planté les vignes au début en 2013, 2014 et 2015, quand je me suis lancé avec passion dans la production de vin. J'ai donc récupéré ces terrains, ici dans la région du Canavé, qui est un territoire difficile où on trouve une viticulture que l'on appelle héroïque. Actuellement, nous cultivons des vignobles qui s'étendent sur 8 hectares environ. 60% de notre vignoble est cultivé en Nebbiolo, et le restant en Fresa, Barbera, Bonarda et Chatus, qui sont des cépages autochtones et qui font partie du cahier des charges de production. En effet, nous sommes une cave qui est convaincue que le territoire du Canavé possède une grande richesse. Nous produisons des vins comme le Canavese Nebbiolo, le Canavese Barbera, le Canavese Rosso et un Canavese Rosato. Io sono un titolare molto giovane dell'azienda, ne sono molto fiero di far parte di aver fondato questa azienda, ho l'età di 25 anni. J'ai 25 ans et je suis orgueilleux d'avoir fondé cette entreprise et d'en être le patron. Je me suis engagé contre l'abandon de la viticulture sur ce territoire et au cours de ces dernières années, j'ai fait de mon mieux pour contrecarrer la progression de la forêt et pour replanter les vignes. Aujourd'hui, notre entreprise poursuit l'objectif de mettre en valeur ce territoire et ses vins, en nous poussant au-delà de ses limites. Nous essayons aussi de donner aux habitants du Canavé l'envie de boire le vin produit sur leur terre. Canavesani, il vino della nostra zona. Io lavoro qui da un anno. Je travaille ici depuis un an. C'est Lorenzo qui m'a contaminé avec sa passion à l'égard de ce territoire, du vin et du raisin. Et il a été très persuasif. Nous sommes une entreprise toute jeune, faite de personnel jeune. L'objectif visé est de redonner au territoire sa fonction première, celle d'un territoire viticole qui a été abandonné avec l'industrialisation. Nous essayons de poursuivre cet objectif en mettant au premier plan le respect envers l'environnement. En effet, nous sommes dans une phase de passage au biologique et nous avons aboli les désherbants chimiques. Et même en ce qui concerne les traitements appliqués, nous nous servons de produits totalement naturels. Notre entreprise est au féminin puisqu'il y a moi, Iride et ma mère. Le nom de l'entreprise est également un nom féminin, Les Masques, un nom qui signifie les sorcières et qui renvoie à un épisode qui s'est déroulé à Livourne en 1474 et au cours duquel quatre femmes ont été condamnées pour sorcellerie. Deux d'entre elles ont été brûlées vives, une autre a réussi à s'évader et la dernière a disparu. Questa storia l'abbiamo è praticamente il la base della nostra azienda. Nous avons donc appelé nos vins du nom de ces quatre femmes: Antonia, Margarota, Bonaveria e Francesca. E Francesca.